camarades, suivons son exemple. Donnons-nous à la révolution, au service des peuples du monde entier. Bâtissons le monde communiste. Le 12 novembre 1939, dans les montagnes du nord de la Chine, le docteur Béthune est mort à son poste. Son exemple éclaire notre chemin. Normand Béthune, médecin du peuple, cherchait la cause de la maladie. Il l'a trouvé, c'est le capitalisme. Béthune est du populisme. Camarades, suivons son exemple. Donnons-nous à la révolution, au service des peuples du monde entier. Bâtissons un monde communiste. Canadien de citoyenneté, chirurgien de par son métier, son esprit est celui du monde entier, sa cause celle de tous les exploités. Il a décidé de se joindre à la lutte, médecin pour la révolution. Il a choisi de porter sa science au service des peuples travailleurs. Camarades, suivons son exemple. Donnons-nous à la révolution, au service des peuples du monde entier. Bâtissons un monde communiste. Appuyons le peuple espagnol qui s'est levé contre la terreur fasciste. Comme tant d'autres soldats, Béthune est parti pour défendre l'avenir socialiste. Rejoignons le peuple chinois à la veille de la révolution. Il a sauvé son sang si précieux en menant la médecine au fond. Camarades, suivons son exemple. Donnons-nous à la révolution, au service des peuples du monde entier. Bâtissons un monde communiste. Dans une ville du nord de la Chine, un hôpital porte son nom. Le peuple travailleur canadien, que le peuple chinois a fait sien. La vie de Béthune ressemble à la vie de tous ceux qui se sont sacrifiés pour rater la révolution. Sa mémoire éclaire notre chemin. Camarades, suivons son exemple. Donnons-nous à la révolution, au service du monde entier. Bâtissons